Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler cette fois-ci du Sun Wukong, le moine Sun Wukong. Donc, on va commencer par l'équipement. Alors, dans ce set-là, il nous faudra le 4 par Sun Wukong, donc les gants avec de la vita, de la dex, des chances de coup critique, des dégâts des coups critiques, les épaulettes, dextérité, vita, all res et pourcentage de PV, le casque. Dextérité, chance de coup critique et dégâts de paume explosive. Et il nous faudra ensuite l'amulette avec chance de coup critique, dégâts des coups critiques, dextérité, mais on préférera les dégâts le pourcentage en dégâts de froid et la chasse. Donc le 4 par Ina, Sunuko, pardon. Le 4 par Sunuko. Ensuite, on prendra le 2 par Ulyana pour une simplicité de gameplay, ce qui fera qu'à chaque fois qu'on tape en fait. Ça applique la paume explosive. On peut enlever l'Uliana, on peut remplacer l'Uliana par le Ina pour gagner en robustesse et faire que ben, notre allié mystique en fait augmenter, doubler les dégâts de l'allié mystique, enfin son passif du moins, vous voyez. Effet de passif de l'allié mystique et l'effet passif de mantra sont augmentés de 100%. Donc c'est une alternative qui marche bien, mais Lulyana est beaucoup plus simple en termes de gameplay. Donc voilà, à vous de choisir. Ensuite, on prendra les brassards de Gundo en froid. Dégâts des éléments en froid, dextérité, vitalité, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques, pardon. Ensuite, pour la petite ceinture. On prendra l'heure du crime, dextérité, vitalité, pourcentage de PV et dégâts des coups critiques. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas besoin d'AS en fait dans ce build-là. S, l'attaque speed ne sert à rien. Donc si vous avez une heure du crime, virez l'AS et mettez des. Enfin, essayez que ça ressemble à ça, c'est plutôt sympa. Sinon, on peut opter pour la chaîne d'oreille. Vous voyez, 19% de robustesse en plus. Ça peut être un petit plus parce que dans cette avec cette spé-là en fait on est vraiment vraiment très fragile en fait donc du coup on cherchera à avoir pas mal de rebuts. Donc ça peut être sympa de mettre la chaîne d'oreille parce que bon, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente avec l'histoire des pools XP, les bassins de réflexion avec cette spé-là en fait on a plutôt tendance à mourir souvent. Enfin, à être très fragile et on peut vite mourir, donc du coup une chaîne d'oreilles ça peut être appréciable. Ensuite les bottes rudimentaires pour doubler les alliés. Ici en l'occurrence l'allié de feu qui augmente nos dégâts de 10%, donc avec les bottes 20%. Le contrainte catalyseur en dex, dégâts des coups critiques et chances de coups critiques, les deux. Voilà. Et l'arme, le courroux du roi d'os. Avec bah, des dégâts de froid, de la dextérité. Bon, ici j'ai de la vita. C'est sympa la vita, hein, c'est sympa. Mais pour plus de dégâts, on cherchera à avoir à la place de la vita des pourcentages de dégâts. Voilà. Ensuite, oui, dégâts de paume sur le casque et sur les bottes. Sur les bottes, on laissera en fait la vitesse de déplacement. Pourquoi? Parce que pour les parangons, en fait, du coup. On mettra en fait parangon, voilà, vous voyez, j'ai mis 15, du coup, pour compléter, avoir 25% de vitesse de déplacement. Et ça vous laisse le choix, du coup. Moi aussi, j'ai mis dans la vita. C'est pas forcément un mauvais choix, hein, parce que je mettais au départ tout dans la dex, et je crevais tout le temps. Et là, maintenant, j'ai mis ben, 1300 points dans la vita, et je peux vous assurer que, du coup, c'est nettement plus jouable. Je suis passé de 700K à 1 300 000 de dégâts de vie. Donc je suis plutôt pépère. Je crève beaucoup moins. Ça c'est cool. Donc voilà. L'arme, on peut choisir ça. Ou alors la fournaise. Pour avoir les dégâts augmentés des élites. Mais moi je préfère le courroux du roi d'os parce que quand on fait des GR pour split farm en fait bah, on a plutôt tendance à skip les élites en fait donc du coup
Autant faire des... Et sur le boss, généralement, on sert à rien. Enfin, on sert à rien. Si le boss n'a pas d'AD, on fait pas de dégâts. Donc, question de choix, toujours question de choix. Alors, voilà, ça. Ensuite, oui, on va parler des gemmes. Donc, la moratoire, qui fait que 25% des dégâts que vous subissez sont différés et infligés en 10,10 secondes. Bon, pour le niveau 71. C'est intéressant avec le. Parce que cette spé est viable uniquement en multijoueur et avec un heal. Donc, du coup, en fait, ça fait que tous les dégâts que vous prenez sont différés et infligés dans le temps. C'est rentable dans le sens où. Ben, en fait, les dégâts sont noyés vraiment dans la régène parce que le healer à côté de vous, enfin, vous donne normalement une grosse régène à hauteur de 400, 500K, 500K PV selon son stuff et son équipement. Donc du coup, en fait, ça revient à dire en mettant cette amulette que bah, vous réduisez les dégâts que vous prenez de 25%. Voilà. Rien que ça. Donc c'est pas mal intéressant. On peut opter à la place du moratoire pour une altération ésotérique pour réduire les dégâts élémentaires qu'on prend. C'est pas mal, c'est pas mal. Les deux sont bien testés et voyez lequel vous préférez. Ensuite, la perte du piégé pour augmenter les dégâts qu'on fait hein, en pourcentage. Elle est partout cette gemme, de toute façon, quasiment. Et l'Azeille, c'est pas mal l'Azeille parce que généralement en fait la pomme est vraiment elle s'étend partout donc du coup ça peut être bien de mettre l'Azeille en même temps que la perle du piégé comme ça enfin ceux qui a les mobs qui sont là où vous trouvez vraiment ils prennent vraiment beaucoup de dégâts et ensuite quand la pomme se disperse et fait une AOE en tour, bah du coup les dégâts sont augmentés aussi sur les mobs qui sont vraiment très éloignés de vous. Donc vraiment très fort. Ensuite, oui, je voulais vous parler de l'instagel aussi. Très bien cet instagel. Généralement, on demande à le mettre sur un support en fait parce que ça fait les chances de coups critiques contre les ennemis gelés et glacés augmentent de 10%. Ce qui revient à dire que bah, les dégâts de votre pomme, les chances de coup critique de votre pomme sont augmentées de 10%. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le stuff, ça c'est bon. Oui, on cherchera à avoir en stats de la dextérité, de la vita, des chances de coup critique, des dégâts de coup critique et des pourcentages PV et de l'armure. Avec de la res en secondaire quand on peut. Style là par exemple, j'ai dextérité, vita, all res. Le must ce serait d'avoir de l'armure à la place de la all res et d'avoir en secondaire une res LM secondaire. Mais bon, c'est le mieux. Sur la cuirasse, on cherchera dextérité, vita, pourcentage de PV. Voilà. Alors ensuite, les compétences. Donc, primaire, assimilation, la voie des 1000 points avec assimilation qui fait que chaque ennemi frappé par le troisième coup augmente vos dégâts de 5% pendant 5 secondes. Donc, c'est 5% par mob touché, hein. Donc, on peut stacker nos dégâts relativement haut. Généralement, enfin, quand on est dans le pack, on touche entre 7 à 12, voire 13 mobs. Donc, c'est plutôt pas mal. On peut prendre vague affaiblissante avec déferlante. On peut choisir l'autre aussi, qui fait que les ennemis touchés par vague affaiblissante subissent 10% de dégâts supplémentaires de toutes les attaques, non pas seulement les vôtres, de toutes les attaques pendant 3 secondes. Parce que voie des 1000 points avec assimilation, c'est. Voilà, ça augmente vos dégâts de 5% pendant 5 secondes. Donc 5 secondes, ça peut. Enfin, s'il y a une erreur de coordination, on peut perdre du coup des dégâts et on peut dire que la déferlante en vague de tsunami peut être plus intéressante et
parce que les ennemis, les dégâts des ennemis sont augmentés en fait, mais de toutes les sources, pas juste de vous. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on prendra la ruée de la tempête avec vent arrière pour augmenter notre vitesse de déplacement de 25%, vous voyez. Parce que la ruée de la tempête, en fait, ça sert juste à, enfin, à deux choses. Ça sert à faire traverser les mobs, en fait, quand on est bloqué, parce que on joue pas avec de la CDR dans ce build. Donc on utilise frappe éclair. Mais les charges, elles reviennent très lentement, en fait. Donc faites attention à ça. Il faut vraiment l'utiliser à bon escient, en fait, parce que ça revient lentement, il n'y a pas de CDR. Donc généralement, on traverse les mobs avec vent arrière, avec la ruée de la tempête. Ensuite, paume explosive en froid pour avoir des dégâts de pour avoir des dégâts de fou. Hein. frappe éclair vont avec la rune vitesse fulgurante parce que généralement quand on dash en fait c'est pour esquiver un mob et c'est qu'on n'est pas très bien donc du coup se rajouter 40% de chance d'esquiver pendant 4 secondes. Ça peut aider, ça peut aider. Alors, allié mystique en allié de feu pour avoir le passif qui augmente nos dégâts, comme je disais tout à l'heure, de 10%. Avec les bots, ça fait 20%. L'actif est pas plus intéressant que ça. En fait, l'actif est pas plus intéressant que ça, mais on prendra surtout pour le passif en fait, pour augmenter nos dégâts. Le mantra de rédemption. Alors là, mantra de rédemption, il y a plusieurs choses à dire. C'est que. Enfin, il y a mantra de rédemption avec impalpable qui est intéressant pour soi-même en fait, pour se garder là, pour avoir sa propre survie si on joue dans un groupe qui est pas trop, comment dire, qui est mal organisé, ça peut vous sauver la vie pour avoir augmente les chances d'esquiver, voilà, de 35%. Sinon, on peut utiliser le mantra de Vindict avec la transgression qui fait que ça augmente la vitesse d'attaque de celle de vos alliés de 10%, enfin 20% avec les bots du coup. Du coup, ça peut être pas mal de mettre ça parce que quand on joue avec généralement avec le healer, il a déjà tous les mantras. Il a déjà tous les mantras. Donc généralement, c'est juste pour la rune en fait qu'on choisira de le prendre. Donc la transgression est pas mal pour augmenter la S de vos potes. Ça peut être sympa. Sinon, on peut totalement l'enlever en fait. On n'est pas obligé de jouer avec le mandrin de rédemption. On peut prendre la sérénité avec ascension pour avoir 4 secondes pour. Enfin, ce sort-là, c'est juste uniquement pour sa propre défense à soi. Donc, on peut prendre la sérénité avec ascension pour avoir 4 secondes d'insensibilité. L'épiphanie avec manteau de sable pour réduire les dégâts qu'on prend. Enfin, c'est au choix. C'est au choix. C'est au choix. Alors, ensuite, les passifs. Expérience de mort imminente. Vraiment essentiel pour essayer de garder au maximum ses poules de réflexion. Pour avoir une chance de ne pas mourir. Unisson pour transformer toutes ces raies secondaires en allraies. Unité. Donc, oui, voilà, petit tips. Unité, ça augmente vos dégâts par. Ça augmente vos propres dégâts par personne qui sont touchées par le mantra. Si vous mettez pas le mantra, ça sert à rien de mettre unité. Ça sert à rien. Si vous ne mettez pas le mantra, ben vous préférerez mettre la réactivité essentiellement. Ou inertie, comme on se déplace tout le temps, ça peut être pas mal aussi. Ou alors voix du gardien pour être encore plus. Pour être encore plus. Ah ben non, arma de main, régénération d'esprit, non, 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 je dis des bêtises. Enfin, on peut prendre notre passif qui lui peut être bien. Rythme mythique, c'est intéressant. C'est intéressant si on utilise Lina. Parce que rythme mythique, là, je le mets pas parce que, en fait, tout simplement, je pose ma pomme avec mes trois coups. Voilà, une fois que je top, ça met la pomme. Mais rythme mythique, en fait, pour ça fait, pour ceux qui ne savent pas,
Un coup sur trois infligé par une compétence qui génère de l'esprit augmente de 40% les dégâts infligés par votre prochaine compétence offensive. Donc, si on utilise Ina, le truc, c'est très intéressant de mettre le rythme mythique parce que on tape trois fois, hop, on pose la pomme, et la pomme en fait est buffée de 40% de dégâts supplémentaires. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant, voilà la réactivité. Et moi je mets la réactivité où on peut mettre le sixième sens pour réduire les dégâts subis de 25% sauf les dégâts physiques. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, ben, je pense avoir fait le tour, donc je vous dis à de suite pour une session de gameplay avec les potos. À toutes. Et salut à tous et bienvenue dans la suite. Donc là, on est en faille. Voilà, boum, ça pète. On est en faille 65 avec les poteaux. Donc, comment ça marche? Tout simplement, il faut attendre que l'équipe fasse un petit pack. Voilà, alors là, on cherche le pack tranquillement. On court, voilà. On donne les trois auto-attaques. Hop, ça donne la pomme avec le Uliana. On dash. On utilise la ruée de la tempête ou la pomme explosive en fait pour faire proc avec le set du Sonuko pour faire proc le clone qui fait que quand il explose ça augmente les dégâts de notre pomme de 500%. Donc voilà, hop, voilà. Voilà. Donc le gameplay est assez simple, hein. Il faut juste veiller en fait. Bah, on tape. On régénère notre esprit. Et toutes les 3 secondes, on fait un petit dash pour garder notre pomme up à hauteur de 500% de dégâts. Allez, non, oui, non. Ah, ah c'est un peu timide là. Faudrait un pack plus expressif. Ah, ça, c'est un élite. C'est caca. On skip souvent les élites. Hein, faut pas se leurrer dans la speedgear. Parce que. Cette spé est prévue pour tuer les petits packs, enfin essentiellement les packs hein, tout simplement. Voilà, hop, on met les trois coups, un coup de rouet de la tempête, hop, le barbare qui bourre, et voilà, hop. Allez, un petit tas là, s'il vous plaît, voilà. Hop, trois coups. Oui, de la tempête, ça augmente nos dégâts de la pomme. Le barbare se fait plaisir et le tas disparaît. Voilà, c'est le Sunuko. C'est quoi ça? Ah, protection, pas mal. Ah, voilà, on a un petit tas là. Hop, trois coups, on dash. Voilà, hop, disparition du tas. Donc, bien veiller à rester dans la zone du healer généralement. Quand il met sa cité interdite pour avoir les dégâts réduits. Hop, on baisse ça. Voilà. Hop. Et voilà, 24 milliards, c'est cadeau. Donc 24 milliards, faut savoir. Enfin, c'est déjà des dégâts énormes, mais il faut savoir que c'est pas sous la conclave du froid. 24 milliards, c'est dégâts de base. Enfin, mes dégâts de base en tout cas pour l'instant. Et j'ai pas une arme qui est vraiment énormissime, mais quand ça pète sous conclave, en fait, ben, on peut atteindre facilement les 80 milliards en AOE, quoi. Voilà, hop. Voilà. Donc voilà, ben, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez aimé la vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. C'était Killer Habit. Ciao. Attention, ça va péter. Et voilà.